Nous avons vu la mission de Matthieu, chapitre 28. Verset 19. Bonjour, ça va? Oui. Nous nous mettons debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 28. Verset 19. S'il y a quelqu'un qui peut nous faire nous faciliter la lecture. Matthieu, chapitre 3. Toutes les nations, mes disciples. Alléluia. Amen. Ça veut dire que maintenant mon corps est pécha melibiso. Et que tout kende, ko yambi sa batunion sotu Yesu Mashiya. Et na sima ko yamba Yesu Mashiya, batika la kaka. Na ko yamba Yesu Mashiya te, me baza la parmi ba disciples. Ya kolo Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, être un disciple, et ali moutou a zana katia service, moko quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que ça service aux autres ça. Et après avoir être mandaté, on a un service, on a la tâche qu'il faut accomplir. Dans les hommes, premièrement sur la croix, Jésus-Christ a quitté le trône. Le Père a permis que Azala ne coulusse. Enfin que bisotos abolim misamassum peut tous songer na boyo karina papa. Alléluia. Amen. Ça veut dire que avec une mission qu'il fallait accomplir. Atteindre, oh bah prophète et béni, bah cocadité. Alléluia. Amen. Ça veut dire que prophète, mon côté, même prophète Élie, a regardé beaucoup fait pour la bisauter. Alléluia. Amen. Même Moïse a regardé beaucoup fait pour la bisauter. Afin que tous se réconcilient dans le Père. Amen. Mais il fallait seulement son fils unique. Il a permis cela à Zanekoulous pour te bisauter son mandat. Amen. Alléluia. Amen. Et cette mandat-là est Pessa Melibiso. Afin que l'élo. Tout ça là va salinaye afin que les autres comme banananza. Alléluia. Amen. Et mandawana et pesa meliote kaka. Pour osuka les sikoza. Mais mandawana et pesa meliote comme mission. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui. Moutouma peut relever la mon mission. Mission. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ a yé dans ce moment qu'il a accompli une mission naye. Il a confé la bicho. Alléluia. Amen. Enfin que tout bien banananza. Assez mission naïe, la totalité est mission naïe. Et dans si ma conscience, c'est mission, à tiquer les bisous, c'est mission. Y'a que ça. Alléluia. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles, des fois, quand je parle sur l'œuvre de la croix, j'ai des larmes dans mes yeux. Pourquoi? Parce que dans mon amour, dans le monde, dans le monde, dans la gloire, dans le monde. Mais en l'image, il faut faire des gourous. Le quoi, il faut. Alléluia. Amen. Andi ma ko kufa ne kulusu kwa moyibi. Andi ma ko kufa ne kulusu lokola criminel. Mais or qu'il avait une mission. Et quoi accompli afin qu'il ait la mission. Mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est des raisons pour lesquelles moi ça me fait mal de façon dans mon abattoir. Bon, je pense ça qu'à l'église. Bazoye ba te ke glizo ba sakana muzana mutu moka futa pri o muta ko futa te. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons faire très attention avec l'église. Makambo yizo sala ne kulusu, ata ba yebisi tata mwa sina bino to mama le ki na yo sala mwa sa mote. Même ton père. Même maman about you. A sala mote. Il y a des gens qui sont en train de se faire des choses. Ils ne sont pas en train de se faire des choses. Mais tant que les gens sont en train de se faire des choses, ils ne sont pas en train de se faire des choses. Ils ne sont pas en train de se faire des choses. Ils ne sont pas. Alléluia. Amen. Mais c'est Christ là ce jour-là. Mais les gens va bien. Dans le Gethsemane, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont dit si papa l'a dit. Est-ce que vous pouvez éloigner le couple de l'émotion dans la vie? Mais la fête des comptes à l'obéni. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'était pas facile. Et je leur moko autokoki pour Satan en moté. L'église, église Yanzam, et je leur autokoki pour Satan en moté. Église Yanzam, et je leur autokoki pour battre la plus que tout.
Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de garder ton cœur plus que Amen. On ne peut pas trouver que la Bible est. Mais nous avons mis l'obé là. Garde l'église plus que tout. Yes. Alléluia. Amen. Dans l'église, on peut qu'on arrache bénédiction. Dans l'église, on peut qu'on arrache malédiction. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on est sur la mission que le Christ nous a laissée. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons une mission à accomplir. Même dans la carte église, on a une mission qu'il faut accomplir. Alléluia. Amen. On a une mission. Ne pense-t-il pas que oye, parce que nous avons dit que l'église a dit pour nous avoir un demi simple. Il pense qu'il y a un coup mon demi simple. Non. Aux hommes, on dit, mais dans quatre églises, on a une mission. Oh, il faut ça. Yes. Alléluia. Amen. Ça veut dire, moi, j'ai dit, que moi, je ne peux pas passer inaperçu dans ce monde. Mm. Pas dans les cas inaperçus pour ma gloire. Mm. Mais je ne peux pas passer inaperçu. Ça accomplir l'œuvre que le Père m'a donnée. Mm. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Comment vous pouvez passer inaperçu dans ce dans mon cul? Regarde beaucoup des années que tu as perdues. Mission on a matiné au sein de mon cul. Au sol, ça y est déjà nini. Ou accompli déjà nini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une mission à accomplir. Et cette mission, ce n'est pas facile. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons accomplir cette mission-là. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce monde, on s'en fout. On est capable. On peut savoir sa capacité. On est en amour. Voilà la raison pour laquelle il s'est ma disciple. Il est avantageux que je m'en aille. Afin que nous ne sommes pas en amour. On s'en fout. A quoi y a qu'on tourne de Sabino. Alléluia. Oh yes. Moi je pense que tant que Yeshua accueilli, il va ma disciple. Il va m'en amour. Il va m'en service. Mais il ne pouvait pas sortir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Bakoki jamais continue à soldat dans la mission sans qu'il va équiper. Alléluia. Amen. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui me comprend cet après-midi. Amen. Dans la Bible, dans la Bible, Bakoki jamais continue à soldat dans la mission sans qu'il va faire saillir l'équipement. Pour accomplir mission bien dans ta vie, ton mission pour quelqu'un qui partit, il faut faire saillir. Équipé pour accomplir la mission comme il faut. Même en tant que tout ce que nous sommes là, nous avons droit à frayer. Il y a une mission de service. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on a le droit à frayer des missions afin qu'on accomplisse la mission dans le lingua et Seigneur. Et cette frayer des missions, cet équipement, oh, Yesu nasi atike na biso na sala moki o. C'est le Saint-Esprit. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour accomplir mieux ta mission, et Seigneur, on luka mon limo mon santu. A équipé on a ma capacité, na ma qualité. On va te permettre yo accomplir mission comme il faut. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles Paul a dit au Barbie, tous ceux qui étaient pour moi des gains, je les ai haïs à cause de Christ. Hosanna. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, quand tu entends quelqu'un parler comme ça, à son nom, ça veut dire que ce n'est plus lui. Oh my God. Mm. La vie, ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que tu fais est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Gloire. Gloire. Tu ne peux pas commencer à avancer la mission sans qu'on soit équipé. On va risquer d'accomplir la mission comme il faut. On va risquer même de commettre des dégâts. On va errer dans la mission. Alléluia. Amen. Même moi, si je suis à Kalibala, voir que Kalibala, elle doit être préparée. Et on a les raisons pour lesquelles ça va servir. Mais ça va presser à mon Kalibala. Vous voyez, l'église, c'est pour l'intérêt à Kalibala. Cherche d'abord Christ dans ta vie. Amen. Amen. Tu as des choses à régler en toi. Mm. Tu as des choses que tu dois arranger en toi. Amen. Et alors, ma caméra, il faut s'en débarrasser. Au moins, pourquoi tu n'as pas les balles à tes joyeux?
Voilà la raison pour laquelle si tu es à l'église, ne cherche pas à Golgalibala, on ne sait pas ça. Non. Cherche d'abord à Dieu, à équiper. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu es bien équipé, même dans Katanda Golgalibala Nayo, tu seras une bonne femme pour ton mari. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont bien équipé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on n'est pas là pour le marier. C'est juste une synthèse. Alléluia. Amen. Mais nous devons en parler, c'est très important. Amen. Nous devons être bien équipés. Et le, nous devons pour équiper, mais surtout, c'est que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que as-tu déjà cherché le Saint-Esprit? Amen. Il faut mater. Pour être au service de Dieu, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Yes. Amen. Amen. Tu es conduit par le Saint-Esprit? Si tu es conduit par le Saint-Esprit, mission avec vous, elle est bien accomplie. Le service que tu fais, ça sera bien accompli. Amen. Tu es à l'église, tu es modérateur, tu es protocole, tu es prédicateur, tu es intercesseur, intercesseuse. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de lire mon centre. De Père qui est au commun, on a besoin de autres. Alléluia. Amen. De Père qui est au sein de la pour ne pas que tu conclues ma désir à chair, tu dois chercher le Saint-Esprit. Amen. La Bible déclare ceci. En réalité, à l'homme, c'est l'Esprit. Hosanna. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Donc ça veut dire que tu dois faire effort pour nourrir l'Esprit. Gloire au Seigneur. Afin que vous ayez fort en esprit. Gloire au Seigneur. Donc, comment vous pouvez nourrir l'esprit pour que nous soyons à la fois de nous nous avons un mariage stratégique. Ce que vous avez un mariage stratégique. Amen. Nourrir l'esprit, c'est comment? Quand on dit nourrir ton esprit, dis-moi, quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Tu pars au McDo, non? Hein? McDo, KFC, Malamelo, Limbondo, Malangwa. C'est ça? Quand tu manges, qu'est-ce que tu fais? Tu nourris quoi? Tu nourris ton corps. Tu nourris ton corps. Alléluia. Pour que tu sois fort. Enfin, pour que dans mon sala, topo et permettre aux amakas dans ma camoufle sala. C'est le même façon aussi avec l'esprit. Amen. L'esprit aussi a besoin d'être nourri. Amen. Amen. Et l'esprit, il aura besoin de la nourrir. L'esprit, il a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Amen. Amen. Prier. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Cet après-midi, tu as beaucoup passé ton temps. Serviteur que tu es, servante que tu es. Aux autres qui peuvent poster mon cas d'église. Aux autres qui peuvent département mon cas d'église. Mais un après-midi, tu as besoin de mon lit, de mon sang. Yes. Alléluia. Amen. Et on a besoin d'esprit naïo et d'un fort. Afin que tu aies accompli ma désir y a une autre. Maintenant, pour que comme on a un niveau, on a capacité, on a, pour que l'esprit naïo comme un fort, tu dois nourrir ton esprit. Amen. Ça veut dire que tu dois avoir, il faut en avoir tant dans ta présence ensemble. Il faut en avoir tant dans ma méditation. Comment tu veux être un serviteur? Comment tu veux être un intercesseur? Comment tu veux être un protocole, un chantre à l'église? Mais tu restes à la maison, tu n'arrives même pas à prendre le temps de lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons nourrir notre esprit. Il y a un autre parmi nous, ils ont un bateau mususu. Il y a un autre qui mususu, il y a un autre qui sika. Stage à l'ibosu qui bon noki naya banyan on a dit tout là. Mais vous êtes chrétien. Mudale qui noki sika. Stage à l'ibosu qui bon noki naya banyan liamo et pas là. Nous êtes chrétien. Ah, c'est pour moi comprendre. Non. Moutalier Kindoki. Ma pensée Kindoki si. T'as initié si t'as Kindoki. C'est pour Kindoki si. Tant que je stage né à Moutali Bosso à Koloka. Ah, mais quand je suis à Koloka, je suis à Panayo. C'est parce que tu es fort en esprit. C'est parce que tu ne nourris pas ton esprit. Alléluia. Amen. Or, que Moutou a fort dans mon livre. Fort en esprit. Bible, ça va bien. Là où il y a la présence de Dieu. Il y a une absence totale du diable. Amen. Le diable ne peut même pas résister. Alléluia. Amen. Là où règne la présence de Dieu, diable là, il y a un ressenti.
Alléluia. Amen. Il n'aura pas la place. Il y a beaucoup de musique à voyager. Il disait que Kuna n'a pas encore ma colotte. Mais si on dit place, on est ma camanza. Mais diable, on a régné place. Wana. Ça veut dire que Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, le diable est trop loin. Alléluia. Ça veut dire que nous devons servir Dieu dans sa totalité, dans notre force, dans la crainte de Dieu, afin de permettre que le Saint-Esprit soit permanent. Na quatre nabiso et va fruit à mon au sang tout et réapparaître au milieu de nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous avons une mission. Et cette mission, pour l'accomplir, nous devons être équipés. Équipés par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous devons permettre nabiso toi accomplir mission nabiso comme il faut. Alléluia. Amen. Même église. Oh, il y a des aliboy. Chacun est là, ton lingui, ton comme un niveau. Il y a quelqu'un au-delà de ce que nous pensons. Nous devons mettre le Saint-Esprit au centre de tout. On a coupé dans un problème parce que tout à l'heure là, au début, je vous ai dit que vous êtes entre les bonnes mains. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je connais bien votre pasteur, comment il fonctionne. Amen. Nous avons besoin. Il y a mon lieu, mon sang, il y a ma fouta. Vous savez, il y a beaucoup d'églises dans cette ville de Paris. Aux hommes, on n'a aucune église. Ce n'est pas pour critiquer. Après avoir, il y a une mission, j'aimerais parler maintenant de ta position. Alléluia. Amen. Quelle est la position que tu occupes? Amen. Mm. Position na yo izani. Vous savez, quand vous lisez mon centre, à côté de ta vie, à mon abani côté de sa vie, à mon la personne commence à servir Dieu dans sa totalité. Mm. Amen. Amen. Il n'y a personne qui me comprend, moi là. Ah non. C'est une habit. Lorsque le Saint-Esprit, à côté de la carte, il y a mon Dieu, Moutouana, comme il conseille dans un mais dans mon thème, n'est mon bimba. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Avec tout son cœur. Mm. Ça veut dire qu'il n'a plus de limite pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il regarde l'œuvre de la croix. Mm. Oui, mais des fois, on a son papa, c'est une invitation. Pour n'a qu'une invitation, alors il besoin d'entendre un homme lèvre de la croix. Sur le Christ lui-même, il avait accepté d'être sur la croix. Combien de plus fortes raisons que Ngaï n'a pas renoncé la journée, même si je suis fatigué, même si je suis malade dans le baron, même si je suis malade, si l'occasion me permet d'être devant les enfants de Dieu, je vais le faire. Amen. Alléluia. Amen. Si l'occasion me permet. Que Nazari Bosa cher na terre, na côté. Et ceux qui lui ont beaucoup de temps à chair, écoute à la chair. Et moi, je pense que ça sera une joie pour moi. Alléluia. Amen. Nous devons servir Dieu avec notre force, avec toute notre, dans la totalité. Soutenir l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Eh, ma camion, nous sommes dans nos problèmes. Mais on va soutenir l'église de Dieu. Amen. Amen. Si on va dire que je suis l'église, ça va être un problème. Alléluia. Amen. Oui, mais secrètement, tu sais pourquoi les anglophones, Bazara béni, les anglophones, hein, anglais, les anglophones, c'est ça. Oui. Amen. Oui, pourquoi les anglophones, Bazara beaucoup plus béni? C'est parce que les anglophones, malgré, au moins, ils ont un païen. Mais ils ont un millionnaire ou un milliardaire. Mais, c'est comme une fin du monde. Aïe, vous respectez le roi béni digne. Amen. Amen. Aïe, vous respectez le roi béni action de grâce. Aïe, vous respectez le roi béni pour soutenir l'église. Si tu regardes beaucoup des églises, ils ont en Afrique, ils ont soutenu beaucoup plus par des anglophones. Par des milliardaires anglophones. Au moins, il y a un bon monde. À Tignes, il y a un ONG, il y a un peut-être pour avoir fait là, pour le vivre, pour soutenir les églises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si qu'on pisse, bon, Afrique, là, j'aurai un Congo, car on a pisse pas Congolais. Amen. Nous, les Congolais. Au moins, les Congolais, ils ont besoin, les ambassades, les ambassades, ils ont besoin d'agir dans la vie. Mais il y a des limites pour agir. Dans ma camo, il y a des limites. Amen. Amen. Même pour notre église, tantôt plutôt. Amen. Amen. Même pour notre kende, peut-être pour évangéliser, il n'a pas le temps.
Amen. Amen. Même pour soutenir le loyer de l'église. Il fallait que nous soyons en haut. Mais à bord d'un épée. Si vous êtes au sein, vous êtes au pays. Mais nous devons savoir ceci. Lorsque nous servons Dieu, nous devons servir Dieu dans sa totalité. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons servir Dieu dans la position où nous sommes en haut. Que tu sois pauvre ou riche. Que tu sois pauvre ou riche. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que de temps en temps, nous sous-entendons seulement que l'Église a besoin seulement des riches. Vous savez, nous pouvons être 10 pauvres dans l'Église, mais si on est organisé, tout ça, on va t'envoyer les mêmes bateaux à la manière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit cet amour? Amen. Au moins, il y a 4 dans la vie, nous vous en avons. S'il y a des gens qui veulent soutenir l'Église de Dieu, s'il y a des gens qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, nous pouvons faire plus que ça. Pour la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Alléluia. Amen. Parce que ces derniers temps, on a à Paris, il y a ma campagne de Mouretan Moulara. Ah, il y a un peu de temps, on a un peu de temps, oui. Tout ça, il y a un peu de temps. C'est pas grave. Mais il y aura un jour. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce jour-là, il mettra une différence. Alléluia. Amen. Et il ne faut pas oublier, ces jours-là, il y aura aussi des gens, malgré tout, au côté de l'eau, mais ils seront des serviteurs. Alléluia. Amen. Mais ce que je suis en train de parler cet après-midi, non, l'obéir à la serviteur, mais non, l'obéir à la bateau, vous avez épouse. Ils régneront. Alléluia. Amen. Bateau va régner na Yeshua. Alléluia. Amen. Parce que mon colon attend que nous la source est l'insame de l'eau. Ma force na yo, na toute sa totalité. Ce jour-là, aux serviteurs de l'eau là. Aux la épouse. Amen. Alléluia. Yes. Aux la épouse. Ça veut dire que ma droit au roi aux anango. Yo aux anango le roi règne. Aux appel la même hein. Roi. Mais et aux la ba tout soit la tête à l'eau là, continue à épée par la grâce. Mais aux serviteurs. Ya vous allons là pour nous servir. Alléluia. Ah. Maintenant, cet après-midi, au repos de la place, ce dernier jour-là, aux allons parmi le pouce, tous allons parmi les serviteurs. Moi, je préfère être une épouse. Amen. À côté de mon mari ce jour-là. Alléluia. Amen. Afin que ton règne n'aille dans la gloire aux allons. Amen. Alléluia. Amen. Voilà cette différence. Au moins, qu'on place, c'est que c'est ton bimbo, il y a Alléluia. Amen. Problème ces jours-là, nous serons des hommes sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que nous devons comprendre ceci. Lorsqu'il y a de faux, il y aura aussi de vrai. Amen. Il y a mon émission à débit avant que tu es entre le bon main. Amen. Mais quand on est entre le bon main, tu dois en profiter. Au sein de l'anzambe. Bien-aimé, tant que tu as encore envie, profite. Dans le moment où on a le banal, on a battu un coma. On a malade à COVID-19. On a besoin de Zambati, qui est le fils qui est inhabitant dans la présence de Dieu. Alléluia. On a beaucoup mis en zambe. Mais dans le moment où on a vivre dans la sonde, on a vivre dans la signe, dans la crèche, on a vivre. Azon vivre, azon lié à terre, qu'on lié à naïve, à perfusion, azon soi. Mais au moment où il y a des gens qui sont vivants, mais ils ne veulent pas rester dans la présence de Dieu. Nous devons profiter, bien aimé, de servir Dieu dans sa totalité. Lorsque nous sommes encore forts, lorsque nous sommes encore vivants. Parce que le jour où tu vas mourir, tu n'auras plus le temps de servir Dieu. Yes. Alléluia. Hosanna. Nous devons soutenir l'Église lorsque nous sommes vivants, lorsque nous sommes forts. Alléluia. Amen. Nous devons soutenir l'Église. Église est à l'Église à pasteur. Église est l'Église à Mounaïnaïo. Alléluia. Amen. Parce que le jour où le Christ viendra, alors au pasteur, il viendra chercher son Église, son épouse. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous devons avoir une position. Par rapport à cette position, nous devons toujours avec exemple.
y a bateau ma servante Zambe par rapport à leur position. Amen. Amen. Ils ont servi Dieu par rapport à leur position. Tu reçois un roi, chapitre 5. Maintenant, nous sommes là, on passe beaucoup de temps derrière le temps. À 5. Je vous en prie. Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 5. Du roi de Syrie, poussé de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès des prophètes qui est à la Samarie, les prophètes les guérissaient de sa lèpre. » Verset 4. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de la Syrie dit, « Va, rends-toi à la Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 2 vêtements de rechange. Amen. 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 Merci que Dieu soit élevé. Merci beaucoup, papa. Amen. Amen. Là, on parle de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Naaman, suis servante Oyo comme esclave. Afin qu'il a travaillé dans le cas de Naaman. Je ne voudrais pas vraiment prendre beaucoup plus de temps parce que nous courons derrière du temps. Amen. Amen. L'histoire est claire. Suis esclave Oyo. A pour travailler la tête à Ndako Yanama. Donc elle travaillait pour la femme de Naaman. Alléluia. Amen. Comme esclave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque cette femme elle a entendu, Bazo Betali Solo a roi à Syrie par rapport à malade Zalina. Amen. Amen. Et la femme en question, Ayoki Lisolo. Ayoki Karanayok Nakoyok. Mais quand Ayoki Lisolo, Ayoko pour comprendre que place Yahouti. Namboka o Yahouti. Et ça, dans le sang, il y a un sang. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, dans le sang, il y a un agir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé juste sa position comme une servante de Dieu pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Elle a utilisé sa position. Position de l'église, position de l'église servante. Donc, on a un peu de l'ingal à bien. Boy! Amen. Quand c'est avant dans le français, là, je suis toujours pété la moitié. L'animal l'appelle boy. Amen. Amen. A utilisé la position de la boy. En fait, il a même un message. Nanaman, pour que Koko me la roi, Chiri, pour que ça. Alléluia. Bien aimé, nous devons utiliser nos positions. Peu importe la position de Tosana. Alléluia. Amen. Ça ne nous empêche pas de parler de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Dans nous sommes la place aux ça. Tu peux parler de la part de Dieu. C'est une mission qui a été confiée. Alléluia. Amen. Ne pense pas seulement que c'est le pasteur qui vient. Non. Nous tous, nous avons une mission accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu travailles, même dans les trains, tu peux parler aussi de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux parler. Même voisine Nayo, au coin qu'on soit terre pour partager les Lobanza. Combien de fois nous restons avec nos copains, nos copines, mais en train de parler des choses qui ne sont, sont pas importantes. Alléluia. Amen. Au moins, on a monté un téléphone fixe. Banda Tomolaya. Banda Rolobaka va combattre. Amen. Banda banda ko lobaka ka bakongo ya bato. Siko tawa no zo ka lobaka bakongo ya bato. Okoko zo tawa na te ko na evangéliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le temps que tu prends pour parler des choses qui ne sont pas importantes. Mais or que tawa no ko kotiza pour la mission aux anaro pour ton église. Alléluia. Amen.
Pour que cette église aille de l'avant, et ça, quelle que soit pasteur, nous tous, nous avons une tâche accomplie. Alléluia. Amen. Merci, nous, tout à l'heure, là, le Christ a été sur la croix. Il a accompli sa mission. Accompli la mission, il a accueilli. Mais à Tigeli, il son mandat. Il y a une mission pour continuer la mission. Et nous, on a souka. À quoi il y a, pour ce qu'on a joué, contre Andy, il y a une mission à Tigeli, la mission. Maintenant, tant que nous avons eu l'exemple, nous avons eu l'exemple, nous avons eu l'exemple. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts pour que vous ayez un tabac. Là, tu es prêt. Pour que vous ayez un tabac. Vous êtes prêts pour que vous ayez un ninga ou un belle forte, un enneken. Voilà les raisons pour lesquelles la Bible est parce que tout le monde a bon moine. Lola, na Lola, et Sengo. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons une mission à faire. Quelle est ta mission maintenant pour ton église? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part? Quelle est ta position? Est-ce que tu utilises ta position pour évangéliser pour ton église? Tu utilises ta position pour nous salaire ensemble et que nous sommes. Toi, vous avez utilisé la position pour détruire l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle je te dis tout à l'heure, la nation a dit, nous devons faire très attention avec l'église. Amen. Vous avez quand vous avez même à temps un pasteur, même à tous à chercher chez Michon. Sous ma émission, que papa nous a boyé, bah, ou tu bêtes à moi, si naïo. Hein? Ta femme légitime, bah, ou tu bêtes à y. Amen. Amen. Même à tous qui t'en achètent, ou ton moga. Oui, pourquoi? Alléluia. Amen. Oui, pourquoi? Parce que c'est ta femme, c'est ton épouse. C'est la chair et ta chair. Alléluia. Amen. Si vous avez ton moka, pour que si mois sinon nous autres, maintenant demande-toi à combien de plus fortes raisons que le Christ peut se fâcher à cause de son église. Oh Amen. Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Utilisons notre position pour la gloire de Dieu. Utilisons notre position pour qu'en fait l'église aille de l'avant. Alléluia. Amen. Tu utilises ma position d'habitude afin que comme un obstacle pour l'église. Amen. Amen. Cette servante, elle a utilisé sa position pour parler de la part de Dieu. N'a pas de qui est incrédible. Oh, après qu'on dit mais amène-qui quand même. Alléluia. Allobata. Et tant qu'on lobby automatiquement, on a en considération. Attends qu'on lobby l'amour roi. Roi Bayoki. Alléluia. Imagine. Lélo, au que nous convaincre mon thème à Macron. Oui, c'est que nous sommes le bigot, le bigot. À ça. Alléluia. Pas comme on a niveau à accomplir en haut. Yo mouto yé. La mission, ton message, il faut aller bien équiper. Voilà la raison pour laquelle je parlais de l'équipement. Alors, oh, Seigneur. Alléluia. Elle était une servante. Une simple servante. Alléluia. Amen.